Hello, hello. Donc, je me suis enfin décidée, ça faisait un moment que j'avais envie donc de tester la farine de patate douce. Donc, c'est une farine de patate douce bio qui est fabriquée donc par une entreprise qui s'appelle Racine Bio. Et c'est un produit qui vient du Bénin. Donc j'ai acheté ça dans une épicerie, enfin dans une supérette africaine à Rennes. Et donc j'ai dit que je me mettrais au fourneau. Donc voilà, je m'exécute. J'ai pas trop été inspirée pour le moment par des recettes sucrées. Donc bah, j'ai décidé en fait de faire un cake salé. Donc pour mon cake salé, j'ai besoin de 200 g de farine. J'ai besoin de 3 œufs. J'ai besoin de 20 centilitres de lait. J'ai besoin de 5 centilitres d'huile d'olive. Et j'ai besoin de levure chimique. Donc, eh ben, je vais tout mettre dans mon saladier. Je vais commencer par la farine. Voilà. Je vais faire un petit puits. Ensuite, je vais casser mes œufs. Donc mes 3 œufs. Donc ça, c'est une base de pâte à cake salé. Donc c'est vraiment le truc basique, hein, la recette basique. Et après, en fait, bah, je rajouterai ce que je veux dedans selon l'inspiration. Donc après, vous aussi, hein, vous pouvez rajouter ce que vous voulez, sachant que voilà, ça vous sert vraiment de base pour votre pâte à cake. Donc, bah, première pour moi. Hein. Pour la farine de patate douce. Donc on va voir ce que ça donne. Hein. Donc comme j'ai utilisé que la moitié de la farine, même si bon, jusqu'à maintenant j'ai pas vraiment été inspirée par des recettes sucrées, bah, les 200 grammes qui restent, je vais quand même les utiliser. Je vais essayer de faire quelque chose de sucré avec. Donc, je sais pas, peut-être des pancakes, pas forcément un gâteau, mais peut-être des pancakes. Je sais pas encore, je verrai selon l'inspiration. Donc, voilà, j'ai mélangé donc mes 3 œufs, mon lait, ma farine de patate douce. Donc, je vais rajouter la levure chimique, le sachet de levure chimique. Ça a une odeur particulière. Ça a pas de, ça, enfin, la farine habituellement de blé, ça n'a pas vraiment d'odeur. Hein. Et là, eh ben, je trouve que la farine de patate douce, ça a une odeur particulière en fait. Donc, rajouter ma levure pour faire gonfler la pâte. Et eh ben, je vais rajouter ensuite l'huile d'olive. Alors, il n'y a pas de grumeaux. Il n'y a aucun grumeau pour l'instant. Donc, je rajoute donc mes 5 centilitres d'huile d'olive. Voilà. Donc ça, c'est la base de ma pâte à cake. Et je vais y ajouter des courgettes, je pense, un peu de courgettes, un peu de gruyère et des lardons. Donc, je vais mettre dans ma pâte à cake des lardons. Je vais mettre un peu de lardons.
des courgettes que j'ai coupées en lamelles. Et je vais mettre du gruyère râpé. Donc j'ai mis mon four à chauffer. Donc je vais prendre un moule à cake pour mettre ma pâte. Alors comme mon four, enfin mon moule accroche un peu, et ben j'ai mis du papier sulfurisé à l'intérieur pour être sûr que ça n'attache pas. Donc je vais le mettre comme ça, je vais mettre la pâte dans le papier sulfurisé et ensuite je mettrai au four. Donc et je vais mettre au four pendant 40 minutes à peu près. Voilà. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Hein. Donc j'ai vraiment hâte. Donc au four pendant 40 minutes. Et je vous dis à tout à l'heure. Alors, ça y est, mon cake est cuit. Donc je vais le démouler. Il est beau. Je suis assez fière. J'avoue que je suis assez fière. Vous voyez? Hop. Donc je vais couper. Je vais couper une tranche, tiens. Je vais couper en deux. Oh, oh. Donc c'est encore tout chaud, tout fumant. Bon, bah, je suis plutôt contente. Hein. Reste plus qu'à goûter, laisser refroidir un petit peu quand même. Et puis bah, je vais goûter. Je vais faire avec une salade, je pense. Et puis bah, je vous dirai ça. Voilà. Et bah, n'hésitez pas à tester. Donc le cake salé avec de la farine de patate douce.